carton jaune, carton rouge dans le monde football là. Côté idée ça sorti et dans qui année? Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Tempo Sport, mon cap présente émission ça c'est Virginie Doréville. Je dis à nous parler de origine carton jaune à carton rouge. Il y a une idée site dans mon trafic là, t'as pas révolutionner football là. On découvre origine carton jaune à carton rouge qui change jouet là pour tout temps. Carton jaune à rouge dans le football, yo sorti dans une initiative pour faire jouer la plus disciplinée et puis aider l'arbitre à gérer le match plus bien. L'idée a sorti dans un arbitre créé le Ken Aston dans l'année 1966. Pendant la Coupe du Monde, là, il était remarqué qu'il y a un manque de communication clair entre l'arbitre et le joueur. Et spécialement, il était besoin pour sanction. C'est comme ça, il était créé un système qui est facile pour comprendre pour tout le monde, même les gens qui ne parlent pas la même langue. Qui est ce carton jaune? Carton jaune, c'est un avertissement pour jouer. Il indique que le joueur a commis une faille grave, mais il peut continuer à jouer. Et carton rouge, non, ça veut dire expulsion. Le joueur doit quitter le terrain immédiatement pour un comportement qui n'est pas acceptable. Au soir, il recevra deux cartons jaunes dans le même match. Aston te prend inspiration dans la ligne de signalisation routière. Jaune pour un avertissement, à rouge pour une expulsion. Il a développé le concept ça en collaboration avec FIFA pour tester et pour introduire officiellement dans la compétition internationale. Carton jaune à rouge était utilisé pour la première fois pendant la Coupe du Monde 1970 là, qui était faite dans le pays Mexique. Tournoi ça a marqué l'histoire du football. Là. Non seulement pour carton, mais tout pour jouer spectaculaire et performance mémorable équipe. Carton était bien accueilli et était prouvé efficacité dans gérer violation et maintenir l'ordre sous terrain. Depuis là, était introduit, carton jaune à rouge vient tourner une partie essentielle dans le football mondial. L'utilisation était élargie dans toute compétition et ligue. Côté plus claté ak rigueur nan jugement arbitre. Joueur ak entraîneur yo apprenn respecter règlement ça et carton jaune vin tourner yon symbole l'ordre ak discipline nan jouet la. Si n'a parlé de carton jaune ak carton rouge, joueur qui prend plus carton rouge nan 21e siècle li pa l'autre que Sergio Ramos. Li prend 29 carton rouge. Des joueurs comme Pepe Tou prend 12 carton rouge et des joueurs comme Philippe Lam, Iniesta et Karim Benzema pa jam prend carton rouge nan histoire jouet ça. Et joueur qui prend plus carton rouge dans l'histoire jouet là, n'est pas notre que colombien Gerardo Bedoya qui prend 46 cartons rouges. Histoire carton jaune à carton rouge, c'est un exemple sous façon une innovation simple qui a gagné un impact profond sur un sport mondial. Grâce à la vision Ken Aston et adoption l'idée ça, football la ville évolue dans un jouet plus organisé et discipliné, pendant toujours préserver esprit compétition. Carton jaune continue à jouer un rôle clé dans gérer match. Il fait partie intégrale dans l'histoire et sport. Nous revenons à notre émission. Merci à vous-même qui avez regardé la vidéo. L'émission a été possible grâce à Bel Pariage. Bel Pariage, c'est jouer, gagner, toucher. Saïta et JQ Blicostore. Au revoir et à la prochaine.